Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée Confiné consacré aux femmes. Aujourd'hui, on va s'intéresser en portrait de Sainte Madeleine qui a été peint par Abraham Bloemaert vers 1620. Alors pourquoi un portrait de Sainte Madeleine pour rentrer dans cette série sur les femmes? Tout simplement parce que c'est une des figures féminines les plus peintes dans l'histoire de l'art occidental, étant donné que Sainte Madeleine était une des disciples du Christ. Alors, Abraham Bloemaert, c'est un peintre néerlandais qui va être un des représentants du maniérisme européen à Utrecht. Et son œuvre est très connue de son vivant puisqu'elle a été largement diffusée par l'estampe. Pourtant, la petite anecdote à savoir sur ce tableau, c'est que pendant longtemps, il a été attribué à une femme peintre qui s'appelle Elisabeth Sophie Chéron et qui était active en France au début du XVIIe siècle. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce tableau aujourd'hui, dans cette série consacrée aux femmes, puisque c'est vrai que les artistes peintres féminines du XVIIe siècle sont généralement peu connues. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous lundi prochain.